Six communes en prospection, seules Gimont et Castanet ont été citées. Si Castanet semble être la favorite, rien n'est encore arrêté. Les organisateurs souhaitent aujourd'hui trouver un site favorable à la pérennisation de l'événement. Ce projet, il doit être porté par les associations de la ville, il doit être porté en tant que projet culturel de la commune, avec l'ensemble des communautés, des communes limitrophes, et doit être réfléchi avec une vraie ancrage dans sa ville et pas tout à fait excentré comme il l'était sur Fenouillet. Hier a débuté le démontage des arènes sur le site du Ramier à Fenouillet. Propriétaire, la société Plaza Garona a l'ambition d'utiliser la structure pour d'autres manifestations et aimerait bien ne plus avoir à monter et démonter ses arènes, coût à chaque opération 150 à 200 000 euros. C'est un partenariat avec la municipalité, c'est-à-dire qu'on travaille, il faut qu'on travaille avec eux sur le lieu, avec leurs services techniques, avec les services de l'urbanisme et notre architecte, nos bureaux d'études, pour qu'on mette en place un vrai projet, autant pour l'avenir que pour l'année suivante. Les organisateurs souhaitent maintenir une édition en 2008 sur un autre site, même si Didier Lacroix garde une note amère du refus tardif infligé par Madame Marcos, le nouveau maire de Fenouillet. C'est un choix politique, je ne le commente pas. Là où je peux le commenter sur un plan économique, c'est qu'il a quand même des incidences non mesurées et qu'une décision de surcroît retardée sur 3-4 semaines sans avoir reçu l'organisateur, ça me paraît assez condamnable, au moins sur un plan de la pensée. Les 26, 27 et 28 septembre sont les dates annoncées par les organisateurs pour cette 6e édition. Une édition qui aura lieu si un site a été trouvé d'ici la mi-juin.